matin, on a fait en première session un petit échauffement. Donc de plus en plus en échauffement dans la programmation, on essaye de mettre un petit peu de technique de gym. Alors c'est pas des ring muscle up, hein, ça nécessite pas non plus un gros échauffement. On a du handstand hold, donc en free. On a des handstand shoulder tape, donc c'est des mouvements qui sont quand même assez techniques. Voilà, avec du squat au poids du corps et du hollow rock. On a fait ça 4 tours ce matin pour se chauffer un petit peu. Ensuite, on a fait 10 rounds chacun. Alors, you go, I go. Donc, Isa a fait des strict pull-up, moi des strict handstand push-up. Chacun son point faible. On avait ensuite 10 push-up et 15 air squats. C'est pas noté, mais on avait un gilet lesté de 10 kg. Donc, j'ai commencé 5, 10, 15. J'ai mis une petite minute. Isa a la même chose et puis on a fait les 10 tours. Voilà, on a fini en un peu moins de 25 minutes. Donc, c'était un bon entraînement pour la qualité en gym strict et lesté. Donc, c'était assez bien. Ensuite, on a fait du front squat. Donc, on s'est chauffé. On est à la fin du cycle, mais il reste encore quelques semaines quand même. C'est la deuxième fois qu'on fait ce cycle-là. Dans une autre vidéo, je vous le redirai. On a fait 10 séries 3 reps en front squat, donc à 150 pour moi et à 80 kg pour Isa. Donc ce qui représente quasiment 90% de nos max. Moi, je n'ai pas réussi à faire des séries 3. J'ai fait 9 séries 2 et j'ai fini par une série 3. Donc je suis très content pour ça parce que le cycle est très dur pour mon front rack. Isa a réussi à tenir 9 séries de 3 reps à 80. Donc c'est excellent, elle a fait sa dernière série à 2 reps et on a refait une autre pour se punir à nouveau 2 reps. Voilà, donc ça fait un bon volume et très lourd. Fin de la session 1 et là on attaque la session 2 avec un Kalsu sans thruster pour le temps à 61 pour les hommes et 43 pour les filles. Donc c'est un petit peu plus lourd que ce qui est noté et à chaque début de minute dès la première minute on doit faire 5 burpees. Il fait chaud dehors, ça va piquer. Allez, c'est parti pour le WOD. Kalsu, c'est parti. Are you listening? Damn. Yeah.
une première fois pour tous les deux. Ouais, on l'avait fait en équipe il y a des années. Ouais, j'avais fait avec une barre, je me rappelle. Je crois que j'avais 25 kilos ou 30 kilos quand on l'avait fait en équipe et on faisait les burpees un tour sur deux. Donc c'était pas le même effort, quoi. Et hein, ceux qui faisaient les burpees faisaient pas les thrusters, etc. Donc ouais, rien à voir, quoi. Comment tu as vécu? Bah moi, ma technique, c'était d'essayer d'en faire 6 par minute, ce qui techniquement me donnait 17 minutes. Je savais que ça allait être difficile, surtout avec les burpees au départ. Et bon, j'ai réussi à tenir une bonne moitié des thrusters, puis j'ai fini avec 5, et j'ai fini ensuite les 25 dernières par 4. Ce qui m'a fait perdre un petit peu l'avance que j'avais pris entre guillemets au début, enfin même pas l'avance, mais juste ma stratégie. Et du coup, j'ai fini en 18 minutes 46. Pas mal. Et toi? Moi, c'est un effort que j'appréhendais. En fait, jusqu'à midi encore, j'étais persuadée que c'était 40 kilos. Puis, une demi-heure avant le début du vol, Duc me dit, mais en fait, non, pour les filles, c'est 43. Donc, je lui dis, OK, les thrusters à 43, ça va piquer. Après, il m'a dit une petite chose qui m'a remonté le moral. C'était qu'elle faisait German, les thrusters étaient à 47,5. Je lui dis, OK, j'avais réussi à les faire au milieu du workout par 4 ou 5. Donc, j'ai essayé de garder ça dans la tête. Je suis partie sur une série de 8 reps au début. Puis ensuite, j'ai essayé de tenir 6. Le plus longtemps possible. Alors le sixième était dur, mais bon, je me dis, j'essaie de grappiller du temps. Moi, mon temps, mon objectif, c'était de faire un peu moins de 25 minutes, donc je l'ai largement accompli. Et ouais, à la fin, j'ai fini par 5 reps à chaque fois. Contrairement à Luc, moi, les burpees, ça m'a pas du tout fait mal. Moi, c'est vraiment la charge qui est lourde, en fait. 43 kilos, je manque vraiment d'explosivité et de force dans les jambes, quoi. D'où le gros travail de squat que je fais en ce moment. Et du coup, j'ai fini en 16,38. Donc, je sais que pour certains, c'est pas ouf comme temps. Mais la bataille pour moi, c'était vraiment, enfin, c'était moi contre la barre, quoi. Arriver à bouger 43 kilos sur 100 répétitions en thruster, c'était mon objectif à moi. Et je suis contente parce que j'ai réussi. Voilà. Donc, on le voit bien jusqu'à, vous le verrez sur la vidéo. Enfin, vous l'avez vu, pardon. Sur une bonne moitié des répétitions, on a à peu près le même nombre de reps d'écart, ce qui correspond aux deux premières séries où Isa a fait un peu plus. Donc ça correspond à 8 minutes du WOD. 8-9 minutes, c'est le temps où, entre guillemets, je suis encore à peu près compétitif. Et puis après, vous le voyez, mes burpees se ralentissent, je diminue mon nombre de reps, et c'est là que l'écart se joue. Donc on voit le profil, même si je suis plus fort et vous voyez mes répétitions, mes séries sont plus rapides, bah mine de rien, au bout d'un moment, quand j'atteins un certain palier, bah, j'ai le moteur qui explose et je peux plus faire grand chose. Moi, c'est tout l'inverse, quoi. J'ai plus un profil, ce qu'on pourrait appeler open workout, donc il n'y a pas de charge. Mais voilà, c'est plus, plus l'effort est long, plus ça va me correspondre, quoi. Je vais pas arriver à, je sais pas, j'arrive pas, comment dire, à rentrer dans le rouge, mais je sais que je vais pouvoir arriver à maintenir un pace qui pour moi est assez haut, assez longtemps, quoi, tout simplement. Donc ouais, j'ai un profil vraiment plus endurant, quoi. On n'avait pas du tout la même bataille. Luc avait la bataille pour le cardio, et puis moi, c'est vraiment la bataille sur la force pour ce vol-là. On espère que la vidéo vous a plu. Pour les graines, vous l'avez normalement fait aujourd'hui, donc on espère que ça a été également. Si vous ne l'avez pas fait, ou si vous êtes d'une autre box, si vous avez envie de le tester, c'est un bon test. Mettez comme un time cap. Le but, c'est pas que ça dure une éternité, mais 20 minutes, c'est un bon time cap avec une charge adaptée. Puis pour les plus avancés, essayez de le faire en RX. C'est un bon test pour savoir si vous êtes et à la fois fort, mais aussi très endurant. Ouais, et puis il y a le mental qui joue aussi pas mal, quoi. Exactement, ça joue pas mal, un peu comme les 30 rounds de Willy avec les burpees et dumbbell snatch et les overhead squats à la dumbbell, quoi. C'est le genre de workout, comme il y a un gros volume de rep avec deux mouvements qui font monter le cœur, ça on le sait tous, ben, y a le mental qui joue pas mal aussi, quoi. C'était un bon test. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. À bientôt.